Peut-être qu'il suffisait juste que je passe ce dialogue de Swan. Swan, que ce truc. Je suis le dragon d'assaut blindé de combat. Votre étoile tueuse contrôle ma cage cérébrale et me donne l'instruction de n'obéir qu'à vous. Salut. Je suis équipé d'un canon terreur 4000 à alimentation hydraulique et de plaques de blindage en titane. C'est cool, mais on y va. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec toi. Allez, on y croit. Je vais essayer de pas tirer à droite tout de suite, ou je sais pas. Ou pas tirer, pas trop tirer. C'est pour toi, Spider. Enfin, je teste ce petit bonbon aussi, je sais pas ce que c'est. Mais... Parce qu'il y a un petit bonhomme qui a de la muscu dessus. Je sais pas ce que c'est. Je dois vous détruire. Peut-être qu'il y avait trop d'explosions. Peut-être pas péter trop les trucs de... Oh merde. Et je suis capable de tirer des lasers avec mes putains de yeux. Est-ce que je peux crever hein? J'ai pas de barre de vie, j'ai rien du tout. Putain, c'est des Deltablanes qui attaquent. Je peux pas attaquer derrière moi en plus. Appréciez-vous votre promenade. Ah oui, elle est trop cool ma promenade, ouais. Bordel. Je suis heureuse. Eh ben c'est bien, écoute, si tu es heureux, tout le monde est heureux. Je tire mes lasers avec des yeux. C'est ce que j'appelle un beau bout. Le génocide est divertissant. Il est pas mal, hein. Oh, ah, c'est très joli. Passez une bonne journée. What the fuck, quoi. D'accord. C'est quoi ça? Ah d'accord, il l'a dézingué d'un coup quoi. Bienvenue monsieur le tueur. Sloan, la seule personne que j'ai envie de tuer, c'est vous. Et puis après, la retraite en banlieue, la pelouse à tondre le samedi et les matchs de foot le dimanche. Ça te ressemble pas, Rex. La pelouse, c'est pas pour toi. Ton truc, c'est le sang. Vous êtes dingue. Je suis un dieu désormais. Pas juste un homme, pas juste une machine. Une combinaison parfaite des deux. Un nouveau Zeus dominant une nouvelle espèce d'homme. Tu aurais pu devenir un de mes cyberprêtres, totalement dévoué à mon service. Mais je crois que l'heure de la retraite a sonné pour vous, les types 4. Vous vous trompez, Sloan. Terriblement. Oh non. Shuriken. Système compromis. Impossible de tuer Sloan. Ah. Je suis désolé, Rex. Quel gâchis. T'es devenu beaucoup trop tendre. Comme tous ces politiciens de Washington. Tu sais qu'ils négocient la paix avec les communistes. La paix, Rex. La paix. Pourquoi je ne peux pas vous tuer?
Sale raclure pathétique. Tu n'es rien d'autre qu'un tas de fils et de programmes. Il ne restait rien de Rex Power Cult quand on t'a trouvé. Juste de l'ADN, sans âme. Non. Je t'ai donné mes souvenirs, mes expériences, mon enfance. Non. Je t'ai programmé. Je t'ai fait. Je suis ton père. Peut-être que vous transformez en machine vous a sauvé la vie, mais ça n'a jamais changé ce qui compte le plus. Votre cœur. La puissance de l'amour. T'aimes bien, frère. Vous êtes plus qu'un simple amas de fil et de lignes de code. Ça va péter, mon colonel. Vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Extinction des feux, Rex. Non. Allumage des feux. Rayon magique. Elisabeth. Rex, vous avez tué le colonel Sloan. J'ai l'impression que tout ce pouvoir lui est monté à la tête. Et maintenant, Rex. Ils vont venir ici et tout prendre. Vos recherches, les armes, le sang de dragon. C'est ce que vous voulez? Une armée de monstres? C'est ce que Sloan voulait, mais je suis pas lui. J'ai réactivé tous les pièges à sûreté intégrés des bunkers. Une seule pression. Et tout disparaîtra dans les flammes. Vous nous avez sauvés, Rex. Cette fois, Doc, c'est plutôt vous qui m'avez sauvé. Ah ! Non, Rex. On s'est sauvés mutuellement. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et ils sont fait un HD, là, de dos. Pourquoi elle regarde bizarre? C'est un piège? Il y aura une suite? Ou elle est triste? Ou elle veut pas voir ça? Oh, c'est fini.